Hello tout le monde, c'est Forlox96 et aujourd'hui on se retrouve sur la chaîne Pro Gaming FR, car comme je l'ai dit dans le titre, This is the end. Donc voilà, la Pro Gaming FR s'arrête pour moi aujourd'hui. Donc voilà. C'était un bon parcours. Enfin, on a 549 abonnés, comme on peut le voir ici. 1085 vues, je sais pas pourquoi il y a seulement 1085 vues, étant donné qu'il y en a beaucoup plus quand même. Donc voilà, pour moi, la Pro Gaming FR s'arrête aujourd'hui, ce soir, tout dépend à quelle heure vous regardez. Mais vous en faites pas, mon aventure sur YouTube ne s'arrête pas, étant donné que une autre chaîne va prendre la place. Je vais me créer une chaîne à part entière. Je vais laisser tout ce qui me rattache à la Pro Gaming FR derrière moi. Et je vais tout recommencer à zéro avec un nouveau concept. Je vais chercher. Ça va prendre un peu de temps. Mais vous allez, je referai une vidéo vite fait sur la Pro Gaming pardon, pour vous annoncer quand tout sera prêt, quand tout va être mis en ligne, et que si vous avez envie de passer sur l'autre chaîne pour continuer à me suivre, bah vous pouvez. Voilà. Donc, pour cette dernière, enfin avant-dernière vidéo sur cette chaîne, on va refaire un petit peu le tour des aventures qui s'est produites. Je vais vous expliquer quelques anecdotes. On va regarder les vidéos, un peu les vidéos qu'il y a. Donc, moment nostalgie, émotion. Alors, vidéo, allez. Yeah, Firefox ne répond pas. Alors, on va chercher déjà la toute première vidéo. The first video in the channel. Alors, fichier plus. La rame du fût, comme d'habitude. Alors ça, va falloir m'expliquer pourquoi. Pourquoi elles sont toutes en privé? À partir de là. Enfin, à partir de là. Pourquoi toutes ces vidéos sont en privé? Je fais ça maintenant. Donc effectivement, ça correspondrait aux 1000 quelques vues. C'est assez perturbant. Bref, on va aller tout en bas, tout en bas, tout en bas, tout en bas. Mais ouais. Parce que c'est peut-être aussi ça, c'est un des problèmes que j'ai, c'est que là, par exemple, aujourd'hui, j'ai remarqué que l'épisode 5 de Baldur's Gate, qui était censé sortir mercredi, n'a pas été sorti. Parce que quand je l'ai mis en ligne, il était mis directement en privé. J'ai dû le mettre en mode public aujourd'hui. Bah, j'avais pas réalisé. Je sais pas. Alors, si vous avez la réponse, ça pourrait être pas mal. Alors, on en est à où? Voilà. Je crois qu'on arrive. Alors, il y a 4 ans, notre aventure a commencé sur un premier test qui était Borderlands, qui avait très bien marché. On avait bien commencé avec celui-là. Donc, au tout début, nous filmions avec un Dazzle, nous étions les trois, nous étions bah, moi, Forox96, XNRJ 36, ou je sais plus comment c'était son pseudo, mais XNRJ, voilà. Et on avait Baraxor, qui aujourd'hui est Ezorn. Et puis, on s'était dit d'un coup, c'est NRJ qui nous a dit, écoutez les gars, on va faire une chaîne. On va faire une chaîne. Et on va tester plein de jeux. Le but, c'était vraiment de tester le maximum de jeux. Et puis de vous faire découvrir comme des trailers, en fait, un petit peu, mais des trailers qui dureraient une demi-heure. Donc c'est vraiment une découverte du jeu. Et excusez-moi, j'ai juste un petit message à écrire, je me concentre. Donc voilà. Donc voilà, on devait vraiment
faire des tests de tous les jeux. Donc au début, on peut voir que niveau vues, ça marchait pas mal. On avait 1285 vues pour le premier test qui était sur Borderlands. Après, on a fait God of War 3, pardon, avec 562 vues. Et on l'a fait en deux fois parce qu'au début, on pouvait pas faire plus de 15 minutes. On pouvait pas faire plus de 15 minutes. Et puis, au fur et à mesure, on le verra dès qu'on a pu débloquer ça. Donc, voilà, on fait God of War. Après, on a la première intro. La première intro de la Pro Gaming, qui était pas mal. Moi, je l'ai vraiment trouvé pas mal. Après, on a eu du Assassin's Creed Révélation. C'est la bêta. C'était la bêta fermée. Il y a, je sais plus qui, je crois que c'était Baraxor qui avait eu une clé. Donc, directement, on a foncé dessus, on a fait la vidéo et puis on voit 709 vues. Donc voilà, on était pas mal au début. Après, on a commencé à mettre quelques petits trailers. Donc on a mis le trailer du multijoueur de Modern Warfare 3. Et là, on a eu 117 vues. Bon, moi, je voyais pas trop l'intérêt de mettre un trailer, mais bon. Ça, j'en ai aucune idée, étant donné qu'avant, on était les trois à poser des vidéos dessus. Il y a certains trucs, moi je ne sais même plus. Je ne sais pas. Donc, à mon avis, ça doit être énergie qui a posé. Jouer aux zombies en écran scindé à 4 sur Black Ops Tuto. Celle-ci a extrêmement bien marché. Oui, alors il y a une possibilité de jouer aux zombies en écran scindé à 4 joueurs. Sur Black Ops, premier du nom, et c'était sur Xbox 360 qu'on l'a fait. Donc, voilà, bah ici en fait, sur la miniature, on voit qu'on a trois écrans déjà. Parce que oui, on jouait toujours à trois avant, c'est ça qui était bien. Ensuite, nous avions fait du Blur, un jeu excellent, c'est vraiment comme un Mario Kart, mais avec des vraies voitures. Donc, on ramasse des boosts, des ondes. Des espèces de petites missiles têtes chercheuses, vraiment des trucs sympas. Alors maintenant. Là, il y a eu le teaser de Modern Warfare 3 parce qu'on aimait beaucoup Call of Duty et c'est dommage. C'est dommage que maintenant je n'aime plus parce que. Bah en fait, ça m'a saoulé. Tout beaucoup. Et ici, l'aventure commence. Minecraft 1.8.1 découverte. La première vidéo Minecraft qu'on ait faite, et c'est il y a 4 ans. C'était Energy qui avait le jeu. Et il avait fait une vidéo dessus. Voilà. Ensuite, on a eu Minecraft et pouf, on a débloqué le contenu à plus de 15 minutes. Donc l'épisode 2, le minage Minecraft 1.8.1 sur Amazingcraft. Amazingcraft, qui était tout simplement le serveur qu'on avait fait avec moi, Energy et Baraxor, et une ou deux personnes de notre entourage qui nous aidaient un petit peu à construire. Ensuite, nous avions eu Battlefield 3. Le jour de sa sortie, on a été tôt le matin, on a été chercher le jeu, on a lancé le test et puis on l'a posté le jour même. Et ça a très bien marché, on a fait plus de 20 000 vues. Et après, on a fait un zombie sur Kino. Voilà. Zombie sur Kino, rien de bien méchant. Doritos Crash Course, un jeu excellent. C'est un genre de Total Wipeout avec les personnages de la Xbox. Du Xbox Live. Donc voilà. Ensuite, nous avons fait l'épisode 2 de Battlefield 3 qui a beaucoup moins marché, évidemment, étant donné qu'il y a tous les gros youtubeurs qui ont eu le jeu entre temps et qui ont fait des vidéos dessus. Donc forcément, ils allaient voir sur les personnes qu'ils aimaient. Ensuite, nous avons commencé les jeux du placard. Les jeux du placard. Alors, c'est un truc que je vais reprendre sur la nouvelle chaîne, je vous le dis. Les jeux du placard, c'est vraiment un truc que j'adore, étant donné qu'on peut revisiter des anciens jeux. Là, on avait fait sur le Seigneur des Anneaux. Non, pardon, sur Star Wars. Lego Star Wars, je crois. C'est possible. On faisait plusieurs jeux, en fait, pour tout vous expliquer. Ensuite, il y a eu la version finale de Minecraft qui est sortie il y a 4 ans aussi. Donc, on était en mode créatif, vu le logo. Ensuite, Assassin's Creed Révélation, qui est pour moi un des meilleurs Assassin's Creed. Le meilleur pour moi, ça restera le 1. Je vais faire mon gros con, mais voilà. Assassin's Creed Révélation, qui est pour moi le meilleur de la série d'Ezio, étant donné que ça, il y a tout,
toutes les... Comment dire? Toutes les intrigues qui se terminent avec celui-là. Voilà. C'est vraiment un truc que j'ai beaucoup apprécié. Ensuite, Survival MW3, 30 vagues. Donc MW3 est sorti. On a décidé de faire un survival, un mode survival. Et pour notre première partie, avec c'était moi et Baraxor qu'on jouait, on était à 30 vagues. Et puis tout d'un coup, Énergie, c'est putain, allez, on va tout casser là. On va prendre le Natel, on va vite filmer l'écran comme des vieux sacs. Et puis au final, on a eu cette vidéo qui a fait 332 vues. Donc le déclin commence déjà là en fait. On a même pas 30 vidéos qu'on était déjà en déclin. Et voilà. Donc Zombie sur Nardéon Totten, ce qui était très drôle. C'est qu'on l'a fait chez moi, celui-ci, en écran scindé. Et mon écran devait faire à tout péter 50 cm de haut sur 70 cm de large. C'est... non, même moins. Moins 50 cm de large sur 30 cm de haut. C'était une vieille télé encore avec les gros culs derrière. Et on avait fait donc le zombie sur Nardéon Totten là-dessus. Et c'était pas terrible. Ensuite, vient le Noël d'il y a 4 ans. Le Noël d'il y a 4 ans, on avait fêté ça sur Train 2. Sur Train 2, qui est un excellent jeu. Et j'attends impatiemment un Train 3. Et s'il est déjà sorti, bah honte à moi. Parce que voilà. Donc après, on a eu du Marvel. On a eu du Split Second Velocity, qui est un excellent jeu de voiture aussi. Earthworm Jim HD. Une ancienne licence qui revient. Qui est revenue sur le marché. Avec un moteur graphique tout neuf. Vraiment un truc sympa. Une journée 100% FPS, alors là on avait testé plusieurs jeux en FPS justement, il y avait du Far Cry, il y avait du Battlefield, et il y avait je sais plus trop quoi. Détente sur Burnout Paradise, pendant les projets à venir, bon, on faisait beaucoup de vidéos projets, mais au final il n'y a rien qui sortait, c'est ça qui était dommage. Burnout Paradise qui est un excellent jeu, j'ai passé des heures dessus avec... Avec Geekoolol XX qui a fait le commentary justement sur Assassin's Creed Révélation. Donc au début aussi, il faut savoir que tous nos sons, tous nos montages, ils étaient faits avec... Moi je les faisais avec Windows Media Movie Maker. Voilà. Donc c'était de la merde, mais je m'en sortais. Et de temps en temps, il y avait quelques décalages. Et puis ça, j'arrivais pas à les régler étant donné que le logiciel n'est pas complet. Alors... Première vidéo SSX, après c'est devenu pendant deux ans, je crois. 2 ans, on a fait du SSX à Noël, enfin pendant l'hiver. Après, on a du Naoto Shippuden, un Epic Bug sur Tomb Raider. Ça, vous pouvez voir vous-même, mais c'est vraiment pour repasser un petit peu sur la chaîne. Energy qui avait lancé une nouvelle série qui était les Friends Game. Donc, c'était prendre des amis à nous qui jouaient à des jeux vidéo, puis justement en faire une vidéo sur leur jeu de prédilection. Donc voilà. Ici, tous contre Acta, fait tourner de Diablo X9. Donc là, oui, la vidéo était prise de Diablo X9 et on l'a fait tourner directement sur notre chaîne, même si nous n'avions pas un public énorme, nous avons décidé de la poster. Du Ghost Recon, du Prince of Persia, une présentation du premier serveur d'Amazing Craft, donc. Le serveur qu'on était en train de construire, on essayait un peu tout ce qu'on trouvait. Et il faudrait peut-être que je revisionne cette vidéo, étant donné que ça pourrait me redonner des idées pour des constructions. Donc, du coop en Battlefield 3, en compagnie d'un abonné. C'était avec qui? Je sais plus, mais nous, j'étais avec un abonné sur Battlefield 3, sur PlayStation 3. Du sexe, épisode 1, nouvelle aventure Minecraft 1.2.5. Donc ça, je crois que c'est moi qui jouais. Je sais plus, je crois que c'était moi qui jouais. Bref. Après, nous avons Guitar Hero. Beaucoup de Guitar Hero, étant donné que j'adore ce jeu. Encore du Minecraft. On passe au bout de une année les 100 abonnés, à peu de choses près, étant donné que là on a 3 ans. Et premier concours 100 abonnés, on a fait gagner 10 bêta, 10 clés de la bêta Smite. Et ça avait très bien marché. Donc tout ce qui est concours, ça marche bien. Après, les jeux du placard qui sont revenus, les chroniques du Docteur Énergie, étant donné qu'il avait changé un peu de nom, du Medal of Honor, du jeu du placard. On a fait des épisodes plus courts et on faisait vraiment un jeu par un jeu, c'était plus fluide comme ça. Mais il va falloir que si je le reprends, les jeux du placard, je vais complètement le refaire.
Donc c'est vraiment une présentation totale du jeu, avec pas forcément des vidéos que moi j'aurais filmées. C'est vraiment... Je ferai un maximum bien sûr de mon côté, mais je ferai surtout avec des vidéos que je prends un peu partout. Donc voilà. Alors, épisode Forme Liberty City, c'est du GTA, hein, là, j'ai du placard. Spécial Nintendo 64, on avait fait une spéciale. Petite agence de Forlex. Alors. Je vais demander à de passer toutes leurs vidéos inutilisées comme ça, c'est un sécheresse vidéo ludique, vous allez pouvoir vous divertir sur ma chaîne. Ok. Donc ça c'est nul. Comment utiliser sa clé Beta Smite? C'est nul. J'ai du placard, ça voilà, on était sur Mario Kart. Un bon vieux God of War. Donc là j'avais refait un God of War mais avec cette fois-ci hein, le HD DVR. J'ai du placard sur Nintendo 64 sur Zelda Ocarina of Time. On avait fait le temple, on avait fait l'arbre Mojo. Après message de la chaîne, ça c'est relou. Projet Minecraft, trailer parcours. Alors oui, on avait fait une map parcours et ça, je vais peut-être en refaire une prochainement. Ça peut être intéressant. Je verrai. Ça reste gravé dans le coin de ma tête. Alors, après explication, règles à suivre. Donc ça, c'est un peu inutile. MMORPG. Voilà, là, je lançais les épisodes de MMORPG sur Terra, qui est un jeu extrêmement beau. Ce jeu est magnifique, mais j'ai un PC tellement pourri qu'il n'arrive pas à le faire tourner correctement. J'ai réussi à faire ça pendant 47 minutes. La vidéo a très bien marché. Et puis voilà, ce PC, cette vieille croûte là, il faut que je change, mais va falloir attendre un petit moment. Après, on a fait du Payday, qui a fait 100 vues tout rond. Voilà. Un autre jeu, un jeu très sympa, c'est Gotham City Impostor. Donc on a vraiment des gens lambda qui sont déguisés en Batman ou l'équipe Batman et l'équipe Joker. C'est vraiment un jeu très sympa. Ensuite, nous avions World of Warcraft, deuxième épisode des MMORPG, justement, World of Warcraft, Mist of Pandaria. Alors, il me semble que nous avions fait un Pandaren, justement, et nous avions fait les quêtes de départ pendant 35 minutes. Après, vidéo détente sur World of Warcraft. Alors, deux vidéos World of Warcraft, l'un après les autres, plus après un MMORPG, c'est vraiment un truc qui marche pas. Mais celui-là, MMORPG sur les Seigneurs des Anneaux, il a beaucoup marché, étant donné que je suis tombé au bon moment. Et j'ai vraiment eu le jeu à ses débuts. Et j'aimerais beaucoup y retourner un de ces quatre. Donc voilà. The Amazing, voilà, là, mon premier let's play, j'avais commencé. Je voulais faire un let's play sur The Amazing Spider-Man. Et j'ai fait 4 épisodes. Après, j'ai arrêté pour des questions de PC, étant donné que le jeu était sur mon PC et j'arrivais pas à le faire tourner comme il faut. Nouvelle série que j'avais sorti, les What the Bordel. Donc, c'était vraiment jouer simplement à Call of Duty. Et puis, tout ce qui me semblait intéressant à voir, bah, je l'ai filmé avec le mode studio et puis je vous l'ai remontré. En plus, là nous avions mes impressions sur Black Ops 2, What the Bordel numéro 2 sur Black Ops 2, Lego Star Wars Attaque de l'Étoile Noire, Ace of Spades, un jeu qui ressemble à Minecraft et qui est excellent, et puis il y a tous les décors qui pètent, c'est vraiment sympa. Histoire, théorie, imagination des tableaux de la Green Run, pardon. Voilà, sur Black Ops 2. Donc là j'avais parlé pendant un petit moment des images sur la tour de Babel, tout le bordel, et c'était vraiment intéressant pour moi d'y réfléchir, et puis je sais pas si c'était intéressant pour vous. Lego Seigneur des Anneaux, l'attaque des Ents, voilà. Alors, beaucoup de Lego. Guitar Hero Aerosmith Dream en hard. Un gros noob sur Crysis 3, oui, parce que je me suis fait exploser. Quelques infos du moment sur Minecraft, voilà, là j'avais fait le logo de la chaîne, et puis j'avais vaguement parlé un peu de tout. J'avais un skin d'Assassin's Creed, si je me trompe pas. Mass Effect 3, des martiens très spéciaux. Je sais plus ce que j'avais parlé. Jeu du placard, Killzone 3, Borderlands 2. On avait relancé la série des Borderlands. Et non. Voilà, j'avais fait du Borderlands. Je sais plus si je l'avais fait sur PC, je crois. Il tournait bien encore. Il y a 3 ans, il n'était pas encore trop vieux. Mais là, maintenant, il commence vraiment à avoir de la peine. J'avais décidé de faire un truc de 1 heure divisé en 3. Voilà, c'est comme ça, il y a eu 3 vidéos. Ça a pas trop marché, bah tant pis, écoutez. Et il y a 3 ans, nous avions les 200 abonnés. Et je parlais sur Minecraft parce que il me semble qu'à ce moment-là, j'ai commencé déjà à être seul sur la chaîne. Et c'est à ce moment-là que bah, certaines personnes d'entre vous m'ont suivi.
et d'autres ont bien lâché. Ensuite, Forks vise un pro du snowboard, bien sûr. Alors là, c'était vraiment en hiver. J'allais sur les pistes de ski, je trouvais un petit truc sympa à faire, et puis je mettais un peu mes gamelles. Voilà, sans rien de bien méchant. C'est vraiment pas grand chose. Parlant des 200 abonnés avec énergie, voilà, on avait parlé. Minecraft en pénurie de caverne. Là, je galérais pour trouver des cavernes. Et puis le moteur graphique. Enfin, le moteur graphique. Le pack de textures, c'était Sfax Pure BD Craft. Donc voilà. Tomb Raider Let's Play numéro 1, 2, 3, 4. J'avais bourriné les épisodes. Ça a pas suivi. J'avais fait le premier, ça avait 27 vues. 13, 10. 10, 7. Après, je retournais un peu sur du Minecraft pour changer. Là, ça avait 54 vues. Après, je retourne sur du Tomb Raider. 15 vues. Du Minecraft, 25 vues. Du Skyrim Dragonborn, le truc numéro 1 avec énergie. Après, moi, j'enchaîne encore avec du Tomb Raider. Ça faisait beaucoup. Guitar Hero Carry on Wayward de South Park. C'est une musique qu'il y a dans justement l'épisode de Guitar Zero de South Park, et puis je l'avais refaite sur Guitar Hero Aerosmith, voilà. Donc vidéo qui a très bien marché. Il y a eu des problèmes avec les droits d'auteur et je sais pas pourquoi toutes ces vidéos sont mises en privé. Bref, après le Let's Play sur Tomb Raider, toujours épisode 11. J'avais fait des épisodes assez longs encore, ouais, 35 minutes à peu près maximum. Donc là, on continue. Un petit Hunger Game avec Zocnover47, qui était quelqu'un à qui je parle encore en ce moment. Là, ma partie du 14-0 en mal chargé, qui est passée chez Code QG, si je me trompe pas. Je sais plus comment tu t'appelles. Ben Kev, je crois. C'est toi qui m'avais demandé justement de pouvoir prendre la vidéo pour la passer sur Code QG. Parce que ça te paraissait d'être une excellente partie, et je suis d'accord, moi j'ai trouvé que c'était une excellente partie aussi. Fin du Let's Play de Tomb Raider, et voilà, What the Bordel numéro 3, voilà, je reviens avec ça. Dead or Alive, un jeu fort en rebondissement, présentation de la chaîne. Ça c'est vraiment un truc que j'ai envie de reprendre aussi, c'est que si vous avez envie de débuter, bien sûr sur l'autre chaîne, il va falloir que je remonte un petit peu les échelons sur l'autre chaîne. Si vous avez envie de promouvoir un petit peu votre chaîne, vous pouvez, vous m'envoyez une vidéo où vous me dites « Écoute, j'ai cette vidéo, elle est en privé, télécharge-la, mets-la sur ta chaîne, comme ça, ça présente. » Et il n'y a aucun souci là-dessus. Après, j'avais commencé The Elder Scrolls Oblivion, le commencement. Un jeu qui est excellent aussi, qui a des mécaniques de jeu. J'ai presque envie de dire plus poussé que Skyrim, mais je vais me faire taper sur les doigts. Après, nous avons fait du Resident Evil Revelation, la démo, Test Final First Person Pac-Man, qui est un jeu qui est plus ou moins flippant. Donc, un jour, si Squeezie, tu me vois, je te le conseille, c'est très drôle. Épisode 2 d'Oblivion, encore du Guitar Hero, des tricks sur Bundle de Paradise, j'ai voulu changer un petit peu, mais au final, voilà. Épisode 3 de Oblivion, vidéo qui a très bien marché, c'était les rumeurs sur Xbox, la Xbox One et la PS4. J'étais en train de regarder un peu le pour et le contre, et puis en même temps jouer sur Mirror's Edge, et puis c'était un bon moment que j'ai passé. Suite des événements de prochainement. Ouais, ça c'est un peu nul comme d'habitude. What the Bordel numéro 4, donc on peut voir l'esthétique hein, de la miniature. Hein. Le test sur Warcraft 3. World of Warcraft, Warlord of Draenor, je pense que c'était la bonne annonce. Tekken, un jeu que j'ai apprécié énormément. J'ai même participé à quelques tournois, mais j'ai quand même perdu. Le jeu Rage, qui est un excellent jeu à la Borderlands. Terminé, tirage, gagné 4 jeux Steam. Voilà, on avait fait 4 jeux Steam, je sais plus trop ce qu'il y avait. On avait fait le tirage. Toga, je mets test, mais en fait c'est plus une présentation. C'est Sunnyside Interactive qui fait ce jeu. Ce jeu est toujours pas sorti. J'ai dit il y a 2 ans qu'il allait sortir l'été de l'année où je l'ai dit, mais il est toujours pas sorti. Et je vais faire en sorte de promouvoir ce jeu, étant donné que c'est un jeu qui m'intéresse énormément.
Ensuite, Hexagone, épilepsie garantie. Là, j'étais avec Amsterdam, ce qui va refaire des apparitions sur la chaîne. Ensuite, nous avons fait du Prey, qui est un jeu avec où on incarne un indien, et quand on meurt, on va dans le monde des esprits, on doit buter des esprits pour récupérer de la vie et de l'énergie. Donc voilà. I'm Back Baby, le retour d'il y a un an, bah au final, voilà. Lollipop Chainsaw, Danse avec moi, jolie Juliette, donné que le personnage s'appelle Juliette, et puis qu'il y a une... Il y a une musique qui fait « Danse avec moi, jolie Juliette », bref. C'est la musique de la quéquette qui colle, hein, au cas où. Petite partie de détente sur Hearthstone, j'ai joué du placard, Crash Bandicoot, les rochers, voilà, hein. Need for Speed Pro Street, apprenez à conduire avec Forlux. Et ouais les gars, c'était moi. Concours bêta, clé bêta Nosgoth, gameplay Ultra Street Fighter 4, pardon, plus news, voilà. On avait fait gagner des bêtas pour Nosgoth. Mais il n'y a eu qu'un seul participant, donc ça a été très rapide. Test Sniper Elite 1, c'est ça que c'est plutôt un jeu du placard, limite. Hearthstone, la deuxième partie. Aperçu information sur World of Warcraft, Warlord of Draenor. Beta Heroes of the Storm. Awesome Note, le Dota en 2D. Moi, j'aime pas tout ce qui est Dota et tout le bordel. Marvel vs Capcom Clash of Super Heroes, des nouvelles, voilà, la nouvelle intro de la Pro Gaming. Et à partir de maintenant, vous êtes au courant, il y a eu le grand retour, mais le grand retour, au final, il sera sur l'autre chaîne. C'est un peu triste, mais c'est comme ça. Donc le grand retour, moyen quoi, voilà, moyen. Ensuite, on avait la présentation de la carte du village que je suis en train de faire, et je vais aussi... je joue beaucoup à Minecraft, donc quand il y aura la nouvelle chaîne, je vais sûrement poser pas mal de screenshots de ce que je suis en train de construire, ce qui pourrait être pas mal. Donc après, j'avais repris les MMORPG, j'avais refait du Perfect World, les problèmes reviennent, mais ça va, voilà. Donc à ce moment-là, le HDD VR, il marchait pas, j'ai dû trouver le logiciel justement qui refonctionnait, tout ce qui est plugin, driver et tout le bordel. Et au final, j'avais réussi, et c'est comme ça que j'ai pu relancer le produit. Alors, HDVR is back, voilà, le premier épisode de Far Cry 2. Ce let's play va continuer aussi pour le moment, mais il va avoir des épisodes beaucoup plus longs, étant donné que le jeu est long. J'ai pas envie de l'éterniser. Voilà, donc c'est vraiment des épisodes... Pour l'instant, il va pas revenir, mais quand je vais le reprendre, ça va sûrement être des épisodes d'une heure... Une heure et demie, ou voire peut-être les faire en live directement. Et puis voilà, je regarde les messages que je trouve. Voilà, Rayman Legends, Chocho les Merguez. Voilà, on a fait un petit retour sur Rayman Legends. Crash Génération Mutant. Un ami qui me dit qu'il adore ce jeu, étant donné que c'est un jeu qui change et puis il aime bien Crash. C'est vraiment un jeu de l'enfance. Qu'on a eu tous ceux qui sont des années 90. C'est vraiment un jeu qui est sorti au bon moment. Ensuite, du Far Cry. Baldur's Gate, ce jeu, c'est le jeu que je pense que je... Celui-là, il va être terminé. Je vais tourner possiblement des épisodes pendant la pause de la refonte. On va l'appeler comme ça. De la refonte. Et ce jeu, ça va être un des premiers qui va reprendre. À mon avis. Ensuite, du crash, de tout et de rien, merci bien. Donc là, que j'expliquais un peu que j'étais désolé du retard que j'avais pris, je m'expliquais un petit peu envers vous. Et puis, voilà, donc, on arrive au bout. On arrive au bout, ça fait une très longue vidéo quand même, mais c'est zizienne, quoi, voilà. Donc, si on regarde les playlists, par exemple, non, les playlists, on s'en fout, écoutez, on s'en bat les reins des playlists. Voilà, donc les playlists, de toute façon j'étais jamais au clair avec mes playlists, les chaînes sont tape le cul, les discussions, ça peut être intéressant, s'il te plaît, si ça pourrait me faire retrouver le nom de la personne. Donc oui, lui, je vous conseille directement d'aller voir sa chaîne, il a arrêté les vidéos, mais vous me voyez IRL, puis c'est assez drôle. Là on a eu les 80 abonnés, donc pas grand chose.
Donc ça, c'était vraiment Energy qui s'occupait au début. Donc oui, là, désolé, mais on est censé faire quoi demain en première heure, vidéo à 2h du matin? Nicolas008 est venu avec, vu qu'on avait des matériels de capture vidéo, il était venu avec nous pour filmer quelques trucs pour sa chaîne. C'était assez sympa. Mais grosso merdo, il n'y a pas grand-chose d'intéressant. Donc on va retourner directement sur l'accueil et puis clôturer cette vidéo et cette aventure sur cette chaîne. Et bah je vous tiens au courant. J'ai une page Facebook, alors je vous dis. Génial, arrêtez le script. Alors j'ai une page Facebook qui est Forlox96 ou Forlox, je sais plus vraiment. Donc pour avoir l'avancée de la nouvelle chaîne, je vous conseille d'aller là-dessus. C'est poser des questions, je vais y aller de toute manière, étant donné que c'est lié à mon compte Facebook. Donc je verrai directement les notifications et nous aurons un lien direct. Donc voilà, on va mettre un terme à cette vidéo qui est beaucoup trop longue déjà. On se retrouve dans à peu près, je dis bien à peu près un mois. On va mettre ça en pause pendant un mois, le temps que je retrouve un nouveau pseudo, que je fasse le logo, que je fasse la bannière, que je refasse un compte, que je refasse un mail, que je refasse tout le bordel, que je relance un peu toute la machine, la mécanique. Et puis voilà, donc on se retrouve d'ici un mois, un petit mois, en pleine forme et avec des nouveaux projets. Voilà, on va lancer des nouveaux projets. Il y aura peut-être, donc, vite fait, hein, vite fait, je tease. Non, je teaserai dans une autre vidéo quand je représenterai la nouvelle chaîne. Donc, à dans un mois, les gars. Hey!